On est reparti. Il y a un truc que je regardais pour modifier aussi les armes de mêlée. Donc ça c'est quoi? Précision 5%. Dégâts. 50 chances d'appliquer hémorragie. Vachement bien ça. Boîte de rasoir, mais... Pardon, je pense que c'est unique. Précision 7%, pas mal. Nous on va mettre ça, parce qu'on en a plein. Et après en points eux-mêmes. Ça. Pour augmenter les dégâts. Ouais. On fait comme ça. Toi, t'as l'Azerotron là. Arme des squads. Lui, il a vraiment. Son arme, elle est vraiment de moins en moins utile en fait. Faudrait vraiment un fusil. Une arme lourde. Genre une sorte de canon. Qui tire peut-être qu'une fois ou un truc comme ça. Toi, je sais pas si on augmente mécanique ou on augmente autre chose. Qu'est-ce que tu pourrais... Bah, il y a survie. Honnêtement, survie, ça pourrait être sympathique. 15% de dégâts sur les animaux et les mutants. Ça peut aider en combat. Parce qu'on a déjà... On a quoi, le skill qu'on veut? Lui, avec lui, c'est quoi? Ah oui, non, lui, on n'a pas de skill, en fait. En exploration, intéressant. Il a commandement, mais ce nom, on l'a déjà. Et le commandement, ça marche pas deux fois. C'est celui qui a le plus haut commandement qui va primer sur l'autre. Alors après, oui, si y en a un qui est loin de l'autre, voilà quoi, ça peut aider. On va dire qu'on couvre plus de zones avec le commandement, mais c'est pas vraiment le but quoi. Alors maintenant, go les robots. Je me demande si je vais avoir des problèmes avec toutes ces musiques sur YouTube, parce que j'ai pas encore mis les épisodes avec avec des musiques comme ça qui tournent. Mais je serais pas étonné que j'ai des problèmes. Alors toi t'es pas très... Enfin t'es un peu cher, c'est ça que je voulais dire. T'es un peu cher mais t'as des trucs super rares. Ouais, t'as des trucs d'amélioration 8 et 9 en fait. Genre ça. Résistance froid, énergie, feu, explosion 60%. Bon, on se tape à moins 4 d'armure. Hein. Vitesse de combat. Pénétration, attaque furtive 30%. Ouais, c'est méga cher. On verra ça plus tard. Comme j'ai dit, on a 3800 de côté. Donc en armure, on n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit pour le moment. On se débrouille avec ce qu'on a. Nos armes, pareil, on a même des armes de plus haut niveau que ce qu'on est. Mais on doit pimper notre voiture. On doit pimper notre ride, donc pimp my ride. Donc on garde pour le moment l'argent et quand on va rentrer... Ah, la mine, elle est là, la mine. Cool. Je pensais pas qu'elle était là, la mine. Ok, pourquoi pas. Ouais, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on modifie l'armure? Alors, est-ce qu'on a des... Je vais voir un peu. Hop, 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 hop. Alors,
modification d'armure. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a ça. Donc assez dégâts, donc ça on s'en fout. On a ça. Donc armure 25% de soi en plus. Oui mais on a déjà des cellules de plasma, c'est pas intéressant. En plus pour la chemtech, c'est pas intéressant. Là on a armure et sens critique 6%. Je crois qu'on en a déjà. Il nous faudrait blastron et casque. Je crois, il nous faudrait blastron et casque. Pardon, ça c'est quoi? Armure, résistance critique, 10%. C'est pas mal, mais après on a des. On a du moins 15% partout, c'est chiant. Ça c'est les jambières. Plastron, armure 4%. 4 plus 4, pardon. La bonus de soin. Esquive, armure, jambière. Plastron, armure 10, point d'action moins 1. Ça c'est chaud ça. Constitution 15. Ah oui, il y a ça qui est assez facile à faire. Il faut juste de la simple ferraille. Après, les tissus musculaires, on en a pas mal. Mais les tissus musculaires, ça sert à autre chose. Et à chaque fois, j'oublie à quoi. Je crois que c'est pour du soin. Trousse de suture, ouais. Donc, ouais, on va peut-être pas utiliser pour ça. Je dirais pas non pour un. Armure 10 là. Ça, non. Non. Armure 10, point d'action 1. Je dirais pas non pour ça en fait. Après c'est moins 1 d'action, c'est chiant quand même. Bon, on va rester banal pour le moment. Je dirais armure 4. Ça c'est quoi armure 2? C'est armure 4. Armure 1. Désolé, hein, je prends mon temps. Excusez-moi. Désolé, c'est un mauvais moment pour répondre. On a que ça? Ça c'est un peu nul, mais on a que... Genre on n'a pas genre armure tout simple? Genre le casque, ça augmente l'armure, basta. J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va faire ça. Je crois qu'on en est déjà. Vas-y, c'est pas grave. Ouais, on en a déjà plein. Donc, hop, armure 1, résiste aux critiques. Très bien. De toute façon, après, on peut le changer. Enfin, attendez, je dis pas des conneries. Parce que j'ai jamais testé, en fait, en théorie. Parce que je sais qu'on peut pas l'enlever. Mais après, on peut juste le remettre par-dessus, on est d'accord. Alors, l'installation de nouvelles modifications écrasera les modifications existantes. Voulez-vous vraiment continuer? Ok, ça marche. Ouais, non, c'est bon. Ok, donc ça. Et là, donc armure 2, le soin, on s'en fout parce qu'il y a des, il y en a déjà. La 25% pareil. Donc on va prendre armure 4. On pourrait prendre armure 10, mais bon, déjà elle a beaucoup d'armure, hein, faut pas exagérer. Mais le point d'action en moins, ça va être relou. Donc on fait ça. Toi. Toi, initiative 35%. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces jambières là qui sont pas mal, hein, qui sont pas mal, mais bon. Casque. Ça aussi, ça a tout été augmenté. Ouais. On pourrait mettre ça, esquive armure, sur. Sur ces jambières là. Attendez, on avait quoi comme jambière?
Ils peuvent pas les classer, putain. Initiative 70% si on fait ça. Ah, c'est pas mal, hein. On va les crafter, celles-là. Comme ça, on les aura de côté. C'est jambier. Initiative 100%. Ah ouais, d'accord. Là, c'est 70. Là, c'est 100%. Putain. On pourrait les faire, mais bon, on va pas les faire. Alors, on est en 10. Donc, il me faut un truc pour les jambes, on a dit. Donc, on peut créer ça avec un châssis de tourelle. Ça ferait initiative 35%. Mais honnêtement, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, je voudrais du pur. Je crois qu'on n'a pas. Enfin, si, j'en ai déjà des préfets, quoi. Ok, ça marche. Vas-y. On va mettre ça. Esquive 12%, armure bonus de soins distants. Ok, parfait. Ok, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Attends, c'est quel niveau? Parce que je me dis, on va défoncer des fesses. Mais je suis pas sûr. Hein. Fléau. Trouver le vieux bunker. Non. Je suis parallèle. Il y a les couleurs de l'intro des armes plus puissantes quand même. Peur d'avis est confié type de plainte à tous les. C'est ça? Il est disparu? Ok. Merde. Minaf, c'est du niveau 7. Ah, ça c'est embêtant ça. Après on pourrait mettre niveau 7 à lui. Après la résistance aux explosions ça peut être pas mal parce que lui... Ça, lui, il va vachement être exposé, quoi. Mais bon, ça m'embête, parce que là, c'est plutôt elle, la spécialiste en explosif. Attends. Putain, c'est elle qui a la perception. Voir s'il n'y a pas autre chose quelque part. Après on peut en détruire seulement une hein, et passer. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Parce que j'ai pas envie de les enlever. Comme ça, j'ai envie de les amorcer moi. J'ai pas envie de les détruire. Mais par contre si c'est déjà niveau 7, c'est pas de notre niveau hein, en fait la zone. J'ai envie de dire. Là, ah voilà, là il y a un passage qu'elle a découvert Fury. Ça marche. Bon on va voir. J'espère qu'elles vont pas toutes péter. Tu peux voir combien de vie elle a? Ouais, ça va. Ok, on peut passer. Faites pas les cons. Ok. C'est nous. C'est. C'est tout le temps 7. What the fuck? What the fuck? Pourquoi c'est pris une baffe elle? Bon par contre tout ça ouais c'est niveau 7, on verra ça après. Par contre je voudrais bien. Est-ce qu'on va monter le niveau avec elle? C'est pas de si tout quoi. Ça marche. Allez go!
On va peut-être pas faire un tir comme ça. Sans haut niveau, hein. J'espère qu'on va monter de niveau avec... avec Thunder. Okay. On peut pas... Elle est pas à portée. Hein. Non, PA insuffisant. Merde, putain, à chaque fois je fais clic droit pour... annuler l'action en fait, enfin qu'on a sélectionné, je fais de la merde. Aïe 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 aïe. C'est pas grave. 5. Faut tuer lui. Il va falloir comment ça fonctionne. Enchaînement x 1. Enchaînement x 2. Ah, fais voir ça. Alors, gantelet à fusil à pompe. On peut tirer sur un ennemi avec son fusil à pompe implanté. Le réduisant à un fine brume rouge. Attaque une cible sans armure. Donne un bonus de probabilité de coup critique 25%. Ah, donc il a un petit fusil à pompe en fait. Et là, cette attaque bagarre, par exemple, pénètre à défense de la cible pour chaque niveau de compteur de combo atteint, accorde plus 2 de pénétration armure, point de dégâts oxé. Donc ça, c'est en fait, on le fait en fin de combat, quoi. En fin de combo. Ça vaut de votre poids pour une arme puissante attaque à 120 coups critiques. Ok. Ok. Ça, c'est 2 PA. Ok. Donc on est à 5, donc maintenant on fait ça. 247. Ok. C'est pas mal. C'est... Putain, c'est... Faut que je fasse attention. Désolé, je suis trop sur mon... On m'a envoyé des messages en même temps sur le téléphone, non, je fais pas attention du tout à ce que je fais en fait. Alors, un truc qu'on peut faire. Donc ça c'est étourdissement, ça c'est le stimulant de combat. Let's go. Let's go. Thank you.
Cool. Et ça c'est par tour. Ça fait quoi ça? Merde, ça touche les alliés? Non, ça touche pas les alliés. Ah, ça étourdit tout le monde. Ça tue? Ça tue mêlée en fait, c'est sympa. Ah non d'accord, c'est sur les ennemis qu'on inflige les combos. Ok, ça marche. On va voir si ça reste. Mais oh mon dieu, je fais nawak. Ah ouais, alors là, bien joué là. Ah ouais, là, on l'a bien joué. Je peux même pas tirer, j'ai 6. N'importe quoi. Pas mal. Pas mal. Elle a un fusil à pompe, ce serait pas mal de l'utiliser, mais... On va pas le faire. Ah, un truc qu'on peut faire aussi, c'est en avoir un, en tourner un contre eux, contre les ennemis, là, je suis con aussi. Putain de pourcentage de merde. Ah, et là, ils sont bien les pourcentages, sauf qu'on tue tout le monde, quoi. D'accord, ok, alors. Voilà. Mais ils ont déjà joué? Ah, mais non, mais ils ont. Oui, ils ont été bloqués par lui. Ça devrait être suffisant. Ah, même pas. Très bien. Ah ouais, mais là, ils vont pas être... Alors lui, par contre, oui. Oh, ça fait une AOE. Hein. Merde. Le clone, il a été tapé? J'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. Bien joué. Alors maintenant on fait ça. Je sais plus. Alors je sais que les robots meurent, explosent à la fin. Alors eux ils disparaissent, mais ça nous laisse les butins, donc je crois que ça compte comme de l'expérience aussi, on va voir. Ok, il s'en va, est-ce qu'on va gagner de l'expérience?
J'ai pas l'impression en fait. C'était peut-être une connerie de faire ça. Je crois que c'est bien pour les combats, mais basta quoi. Ouais, je pense que c'est bien pour les combats, mais on va pas le faire enfin. C'est quoi? On s'est assis sur de la récompense et peut-être sur... Oh la vache. Sur de la récompense et sur... sur de l'expérience. Ok, alors grippe. Oui, je sais. Bah, j'aime beaucoup le mêlée. Crispin mine de pigment. J'aime beaucoup le mêlée. Ça peut être, ça peut vraiment, enfin surtout la bagarre. Parce que l'autre, je crois que les armes contendantes et blanches et tout ça, c'est surtout genre saignement, genre des trucs comme ça. Alors que là, ça peut être du gros stun AOE. Ça peut être vachement intéressant. Alors là, j'ai vu qu'on avait des jambes. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle en a besoin. Jambes d'exosquelette. Donc là, c'est assisté. Là, c'est exosquelette. C'est un autre set encore. Après, nous, on a les chemtech, là, avec bonus de soins et tout ça. Alors, en plus, c'est de la science étrange, quoi. C'est pareil. Sa jambe disposait avant d'une fonction de marche automatique, mais les gens n'arrêtaient pas de tomber en haut des falaises pendant leur sommeil. Bonus de dégâts de mêlée, 15%. Ouais, bon, on s'en fout, nous. Armure 13. Donc, en gros, en fait, faudrait lui mettre à lui, genre la science étrange, pour qu'il ait ça. Je suis d'accord. Mais, on met l'équipement le plus important, le plus intéressant à nos personnages principaux. Enfin, après, je vais être honnête, bon, là, nous, en fait, on a un truc très bien. Et puis, honnêtement, esquive 6%, c'est mieux. Bah, peut-être à lui, du coup. Armure 6. Ouais, celles-là, elles sont augmentées. Oui, je sais, il faudrait mettre dégâts de mêlée. Il faudrait mettre, en fait, exosquelette à l'autre. Science étrange. Il faudrait juste lui mettre 3. Comme ça, il a science étrange. Oui, je sais. Si jamais on trouve d'autres parties de l'armure, de l'exosquelette à la limite... Je déciderai de lui mettre la science étrange. Voilà. Vous êtes d'accord? Vous êtes heureux tout le monde? Voilà. C'est si jamais. Ça c'est sauvegardé automatiquement. Si jamais on a plus de parties. Posez des questions sur les prisonniers disparus. Je sais même plus ce qu'on fait là. Franck, papa nous a dit où trouver le camp ici. That man, still saying it was a work camp. Never wanted to admit the truth, not even to himself. You won't find any work camp here. Never was one. No convicts either. They're long gone, all of them. Avez-vous tué les détenus? Qu'est-ce qui arrive aux détenus? Où sont-ils? They were. Why are you talking to them? You don't owe them an explanation. Ah, j'espère qu'on n'a pas besoin de l'HQ et tout. I can't tell their stories anymore, Nikki. I have to do it for them. C'est pas faux. Patriarch made a deal with my people, Godfishers. Ah putain, c'est encore vous. They believe the gods can be appeased with human offerings. So, in exchange for stopping our war on Colorado Springs, he sent them convicts and criminals to feed to the skies.
Nourrir les cieux. Les godfishers hack off the limbs of the sacrifices and tie their torsos to giant kites, then send them up to the sky as gifts for the gods. They believe it will bring the holy rain. Huh. I always thought the sacrifices were pointless. There were no gods, no way to call water from the skies. I should have left long before I did. Okay, votre rôle. I was better at dealing with the city people than the other godfishers, so our leaders sent me here as a go-between. Pappas delivered the convicts here to me. I brought them to my people. Qui sont les pêcheurs célèbres qu'on connaît? Comment êtes-vous rencontré avec Nikki? Used to pass a farmstead on my way out here. Saw a pretty girl watching over her land. Turns out she saw me too. Took me months before I was brave enough to approach her. Crazy decision when I think about it now, but she didn't turn me in. D'accord. She showed me the godfisher ways. Wasn't the only way. Gave me the strength to turn my back on. They are. They were my people. Until Nikki helped me find the courage to abandon them. D'accord. I didn't do anything. That was you. Donc tu fais plus partie des fous là, donc ça va. I could, I'd change everything. Bring all those people back. All I can do now is try to be a better man than I was. Bon. C'est un danger pour personne. Thank you. All the same, I think it's best if we leave this place. If you could find us here, others may do the same. I won't see Nikki harmed because of me. Venez au QG. Siffle une note au chien tandis que le vampire se met à rassembler leurs affaires. Mais Betsy, c'est ce qu'elle nous avait demandé, parce qu'honnêtement, j'ai un gros doute, je me rappelle plus exactement ce qu'elle avait demandé. Sœur de Thune est condamnée aux travaux forcés au camp de travail, Patrick, on a demandé à chercher où s'est retenu leurs proches. Ouais, non, on a avancé dans l'histoire, quoi. Après avoir parlé aux gens, nous avons décidé de l'épargner, nous devrions expliquer à Betsy et aux autres femmes le sort dont ils ont connu leurs proches. Ah oui, enfin, c'est pas eux, c'est les autres, ils sont tous morts, quoi, en fait. Ah, d'accord. Thank you for your kindness. I don't deserve it. You don't even have a home. Please don't take what little we have left. Ah ouais, t'es sérieux? Vous vous cassez et après tu me fais chier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. On va partir de l'autre côté. On va partir. Et après, on va revenir. Okay. C'était trop facile quoi. Ça sauvegarde automatiquement. Quand ça sauvegarde automatiquement. Oh la vache. Ouh, t'as l'air équipé toi. Ah, elle nous a menti cette salope. Vous avez suivi ? We wanted to see the son of a bitch who took our kin. And make sure he never breaks anyone else's heart again. So, is he dead or not? Situation est complexe. Talk. Ain't nothing to talk about. That godfisher's a mass murderer. Move aside and let us do what needs to be done. Est-ce que c'est vraiment un tueur en série en fait? Parce qu'honnêtement, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Genre, le mec, le patriarche là, il les a envoyés, lui, il les a enrôlés. C'est ça? Puis après, il a quitté les trucs célestes, donc bon. Bah, des fois, vous savez, des fois, dans les relations, hein, c'est pas tout rose, hein, on se laisse en. Embarqué dans des situations
Puis après, on essaye de changer, quoi. Le mec, il essaye de changer, c'est déjà bien. Il a évolué dans la vie. Donc pour moi, c'est un plus. C'est un plus. Par contre, toi, t'es parti du côté revanche. Toi, c'est pas bien, ça. Ah, donc ils savaient. Oui, bah oui, du coup, ils nous ont... Oui, ils le savent. Oui. Vous saviez déjà que vos proches étaient morts. Pourquoi nous avoir cachés ? Margaret wanted to tell you. The rest of us, we didn't think you'd help if you knew this was all about payback. The marshals ain't as tight-lipped as Sheriff Daisy thinks. A few bribes here and there, and we got the truth from the ones who knew. Wow. Only part we didn't know was where to find the bastard who took our kinfolk to their deaths. Maybe we can't kill all the godfishers, but we can make sure this one pays for what he did. Alors de 1, on les a tous tués. De 2, celui-là, il a l'air réglo, en fait, maintenant. Il n'a assassiné personne, il a reçu des ordres, il n'avait pas le choix. C'est vrai que c'était ça, en fait. He chose to be a coward. He chose his life over theirs. And now? Now he's got to pay. Je crois que tout le monde choisirait ça. We will if you stand in our way. Ah, me provoque pas. Je réagis mal à la provocation. Gros dur. C'est ce que vous devriez porter au coup de grâce. Vous trouverez dans la cave. Vous allez devoir me passer sur le corps. Il y a une femme qui s'appelle Nikki avec lui. We'll have to kill her too, then. No other way. Wow. Navré, mais vous allez devoir nous passer sur le corps. I'm sorry it came to this. Qu'est-ce qu'il a dit? The wind is coming. Et nous, on a ça. Le tir supersonique. Ouh, regarde-moi ça. Ouh. 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 Ah, ça... 30 d'armure, moins 20% de dégâts quand même. Méga loin, j'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention qu'elle était aussi loin. Ah, je peux pas passer. Tu te fous de moi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 11 PA? D'accord. Bizarre ça. Ah mais elle, faut qu'elle se buff aussi, faut qu'elle se booste là. C'est pas top, hein.
vache. Oh mais c'est des barbares hein. Putain de barbare quoi. Ready to continue. Ça marche plus. Oh, je sais ce qui. Il a. J'ai peur, oh, quel con. Il a pas la science étrange. Putain, esquive, armure 12. Il a, la pas la... Il a pas la science étrange. Débile ce que je viens de faire. Je viens juste de capter quoi. Oh, quel débile. Quel débile. Je pense qu'on peut finir le combat comme ça. Donc ça va. Ah là on le ressent hein, la vitesse en moins là putain. Ah là ça rigole pas. Hein. Fais mal avec ta merde. J'adore, c'est vrai. Fuck up fairy. Qu'est-ce que je pensais? Médecin. Now you wanna work together. Non, c'est 3. Non, je fais un 10, ça marche. Cool.
Très bien. Fait droite gauche, ça me fait rire. Ouh, tu as senti passer celle-là. Ouh. Yes, nickel. On va se mettre là parce qu'on va devoir sûrement soigner Lucia. Si elle prend trop de dégâts ou on va la faire la réanimer. Oh, il peut nous écraser le machin. Je crois. Attends, ça c'est quoi qui fait ça? L'utilisation de combat. Ah oui, découragement, ça fait encore plus de dégâts. Donc il faut faire découragement en premier. Je sens que Bétia va nous défoncer la gueule par contre. Ah, voilà. C'est ce que je voulais. Parfait, nickel. Quoi? Out? Quoi? Je vois. Bien. Nickel. Enfin, ça va pas faire vraiment mal. Bah, quoique. Attends, est-ce que je peux. Ah, il fait chier l'autre. Après, ouais, c'est vrai qu'avec la cocotte minute lance-là, ça pourrait être intéressant. Pas beaucoup de dégâts. C'est pas énorme. C'est Sentinelle qui est tombé, putain.
défoncé. Point Shaolin. Non. C'est cool. Est-ce qu'on a des récupéré des fusils Tundra? Spitfire. Ok. Tout le monde est là, Doyen ça va, Clone ça va, la Vachette ça va, c'est pas une Vachette je sais. Attends, il y a ça. Fusil tout le droit, facile à égarer si posé dans la neige. Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Ouais, taux de frappe 5%. Il est très bon. Il est très bon. C'est du calibre 50 par contre. Ah, intéressant, on pourrait switcher. C'est quoi la différence vraiment? Bah il est moins bon hein, bien sûr, mais il est juste en dessous de celui-là qu'on a. Donc on peut le donner à Jody par exemple. Diable, le Spitfire, c'est pas unique. Enfin, après, c'est un combat spécial, donc peut-être que... Genre, les armes comme ça, on peut peut-être pas les... Enfin, les acheter... Enfin, non, non, du coup... Non, je sais pas. On va aller parler au mec, là. Je vais voir si on peut pas récupérer aussi l'équipement qu'il y avait. Bah ils sont partis en fait. Ah non, ils sont là. You heard gunfire. Others came for me, didn't they? And you killed them. No one else should have died because of me. But you saved Nikki's life as well, and for that I thank you. Ok. Tu veux pas nous donner des récompenses? Sorry I didn't trust you folks. I reckon you saved our lives. C'est bon là? Ah, merci. Mais en fait, il n'y a rien d'intéressant, quoi. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Faudra qu'on revienne plus tard. Bah, de toute façon, on doit revenir pour le grippin et tout ça. Donc on reviendra plus tard. Quand on aura monté de niveau pour les mines. Alors, on a armure composite et commando. Là, on a jambière de trooper. Là, on a commando. C'est pas mal là. Par contre, faut que je fasse une pause et je reviens de suite après. Et je finis l'équipement.